Chez Faurecia Automotive Extérieur, on confirme notre nouvelle ligne de produits sur les composites avec ce démonstrateur. Il est réalisé avec des pièces de série qui sont produites actuellement dans notre société. Ces matériaux composites se déclinent en trois familles. La première famille sont les pièces extérieures, ce qu'on appelle les pièces classe A, typiquement des ailes de voiture, des capots, des portes, des ailes arrière. Donc ces pièces peuvent être peintes tonkès, donc dans la couleur de la voiture, ou alors elles peuvent être en carbone visible, typiquement comme le toit. Le carbone visible, c'est quoi? C'est des pièces sur lesquelles on voit la trame du carbone en transparence. Et pour cela, on a acquis une société il y a un an et demi qui a plus de 10 ans d'expérience dans la fabrication de ces pièces. La deuxième famille, ce sont les pièces semi-structurelles. Alors, une pièce semi-structurelle, c'est typiquement des doublures, des renforts, parce qu'aujourd'hui, ces pièces sont faites en tôle et on a des gains de poids avec des composites qui peuvent aller au-delà de 50%. La dernière famille de pièces, ce sont des pièces dites structurelles. C'est la colonne vertébrale de la voiture. Et aujourd'hui, ces pièces sont faites essentiellement en tôle, embouties, soudées. On propose de réétudier, de redesigner des pièces en composite avec l'expérience qu'on a acquis avec cette nouvelle société et de reconcevoir des châssis en composite qui nous permettront de diminuer ce poids et surtout qui nous permettront de livrer la grande série. Donc les composites présents sur ce démonstrateur, c'est la réponse qu'on amène à nos constructeurs en développant ces nouvelles fonctions, en continuant sur les fonctions esthétiques qu'on a déjà développées et tout cela dans l'esprit composite pour le futur.